Nickelodeon. Où est le puzzle de Reptar? Bon, il est là. Mais elles sont passées où toutes les pièces? Bah, là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien toutes les pièces du puzzle ont disparu, ou c'est le jeu le plus enfantin que j'ai jamais vu. Les pièces doivent être éparpillées dans la maison. Allez, ce n'est pas grave. Tiens, voilà un ballon. On retrouvera tous tes morceaux, Reptar, même si on doit les chercher tout autour du monde. Il est à moi, cet œuf de Pâques. Ils seront tous à moi parce que je les trouverai toujours avant toi. Bye.
Je suis là, ne pleure pas. Je chanterai une chanson rien que pour toi. Coucou les enfants, levez-vous. Je suis votre ami. J'ai réussi. Il ne me fera plus jamais peur maintenant, c'est fini. Ah! Oh oui. J'ai un nouvel ami. Avec moi, tu ne t'ennuieras plus jamais dans la vie. Il en reste plein d'autres dans cette machine. Passé. Mes inventions, mes toutes nouvelles inventions. Oh, allons, calme-toi. Peut-être que le monde n'était pas encore prêt pour ce genre de jouet. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver une autre idée. Thank you.
Coucou, Woody. C'est bientôt l'heure de ma... Oh, une salade de pommes de terre. Papa, non. Papa, tu vas faire peur aux enfants. Mais les pommes de terre se coincent entre mes dents. Je suis bien obligé de les enlever. Si tu fais ça, tu vas couper l'appétit de tout le monde, s'il te plaît. Contente-toi de ta soupe. Ce sera notre petit secret, hein, les enfants. Je sens que je vais me régaler, ma salive à l'avance. Qu'est-ce que... Ah, mes dents! Cet imbécile, ce sale chien m'a volé mes dents. Oh, je ne peux pas jouer de la trompette sans mes dents. On doit retrouver les dents de grand-père, et vite! Ça va pas être facile, hein? Le parc est trop grand, on les retrouvera sûrement pas avant d'être adulte. Grand-père a besoin de nous, la binocle, viens! On doit retrouver Hubert. Attends. Wouh. Ah, c'est génial. Ici, mon chien. Bon chien. Suis-moi, la binocle. J'aime pas trop ça. Par où maintenant? Ici, mon chien. Bon chien. Casse-bonbon, attention! Attends-moi, casse-bonbon! Par où maintenant? Casse-bonbon, attention! Il y a forcément un moyen de sortir d'ici. Attends-moi, casse-bonbon! Attends-moi, casse-bonbon! Le voilà! Oh.
Tuber. Arrête, tu me chatouilles. Je l'ai essayé, casse-bonbons. Hein? Cours, la binocle, cours. Cours, casse-bonbons. Cours. Allez, Hubert, accélère. Aide-moi, casse-bonbon! Arrête-la! C'est fou ce qu'elle peut se dandiner! Des oiseantes qui les avalent. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut manger toute la salade de pommes de terre qu'on veut. Donnez-moi ces cookies. Non, c'est pas pour toi. Ma maman les a fait exprès pour nous. Attrape! Donnez-moi ça! Hé! Vous arrêtez pas de me gêner! Mais vous jouez à quoi, tous? Hé! Par ici! Vas-y, lance-le-moi. Par ici. Par ici. Et vous avez tout mangé? On a juste fait ça dans ton intérêt, couette couette.
Du pop-corn. Du pop-corn. Du pop-corn. Du pop-corn. Quel temps de chien! Je me retrouve coincée ici toute la journée avec ces gros nuls de bébé. Au moins, si j'avais eu la varicelle, j'aurais pu vous la repasser, ça aurait été beaucoup plus drôle. Pourquoi on jouerait pas tous ensemble à quelque chose qui te plairait? Ah oui, quoi? Aux fléchettes avec toi comme cible? Et si on jouait à cache-cache? D'accord, mais c'est moi qui choisis qui doit nous chercher. La binocle. Moi? Dès que tu trouves quelqu'un, tu lui tapes sur l'épaule et tu fais la course avec lui jusqu'à notre parc. Mais... Faut que tu enlèves tes lunettes. C'est pas juste d'avoir deux yeux de plus. C'est toujours sur moi que ça tombe. 40, 4, 100, 1 million. Cassez-vous bien, parce que j'arrive. Oh, je vois rien du tout sans mes lunettes. Vous êtes passé où? Est-ce que c'est toi, Sophie? Sans mes lunettes, tout est encore plus effrayant que d'habitude. Waouh, c'est amusant! Y'a personne qui veut m'aider! Est-ce que c'est toi, Alphonse? Pourquoi je peux pas trouver mes lunettes? Waouh, c'est amusant! Est-ce que c'est toi, Couette-Couette? Waouh, c'est amusant! Waouh, c'est amusant! Vous êtes passé où? Je vais jamais les retrouver! Vous êtes passé où? Est-ce que c'est toi, Alphonse? Et si on jouait à qui veut aider la binocle? Oh, je vois rien du tout sans...
mes lunettes. Je comprends pas pourquoi on est obligé de courir quand on n'a pas peur. Le dernier entré dans votre parc est un minus. Bien joué, la binocle. Je vais jamais les retrouver. Oh, je vois rien du tout sans mes lunettes. Oh, je suis nulle. Mais de toute façon, ce serait pas mieux avec mes lunettes, alors. T'es trouvé. Je comprends pas pourquoi on est obligé de courir quand on n'a pas peur. Je comprends pas pourquoi on est obligé de courir quand on n'a pas peur. Oh, c'était fastos! Je vais jamais les retrouver. Je vais jamais les retrouver. Waouh, c'est amusant! Désolé. C'était fastos. Oh mince. Bon ben il me reste plus qu'à trouver Couette Couette maintenant. Je me sens pas super bien. Tiens, attrape tes lunettes de nul. Oh, ça va mieux. Tu n'as pas l'air d'aller très fort, Angelica. Oh, Burke, viens, on va nettoyer tout ça. Regarde ce très beau miroir ancien, je l'ai trouvé au marché aux puces. Tu te rends compte qu'il date de Louis XIV? Je suis sûre qu'il sera parfait dans la salle de bain. Où est-ce que j'ai bien pu mettre le porte-savon du... Oh, c'est bizarre, tout est à l'envers. Je dois être au royaume des miroirs. Il faut que je remonte jusqu'au miroir pour pouvoir le retraverser et redevenir normal. Bien joué, Hubert. Si je pouvais avoir assez de ballons, je m'envolerais vers le miroir. Mais en montant ou en descendant? Moi, j'en sais rien, mais il vaut mieux que je commence à chercher. Il faut que je monte vers le miroir? Ou il faut que je descende? J'aurais jamais cru que c'était si dur de toucher le sol. Je vais me plaire ici. Oh.
Thank you.
marché. Je suis revenu. Oh, mais c'est mon gorille, là, du palais des jouets. Le palais des jouets. Vous voulez y aller? Chérie, j'emmène les enfants au grand magasin. Je passerai ma vie ici. Le palais des jouets ferme dans 5 minutes. Veuillez effectuer vos derniers achats et vous rendre aux caisses, s'il vous plaît. Désolé, les enfants, c'est l'heure de rentrer à... Oh, le tout dernier traducteur électronique. C'est le paradis ici, c'est à tomber. Oh, c'est trop bête qu'on soit obligé de partir. On n'a qu'à rester. On aurait dû me taire. Oh, c'est pas vrai, ils n'ont même pas mis les piles avec, c'est du vol. On rentre, les enfants. Le palais des jouets est maintenant fermé. Merci d'avoir choisi notre magasin. Casse Bourbon, où tu es? Oh, c'était sûr que c'était pas une bonne idée. Oh non, ils m'ont attrapé! Hey, c'est moi la poule mouillée dans cette histoire. J'aime pas trop ça. Vise-moi un peu ça. Hey, c'est moi la poule mouillée dans cette histoire. C'est moi. Ce que je peux être content que tu sois là, tu peux pas savoir. Il y avait des clowns et des robots, c'était atroce, mais maintenant ça va. Torg a faim, Torg veut manger. Torg a faim, Torg veut manger. Reptar peut nous sauver, mais il est endormi. Il faut qu'on grimpe jusqu'au bouton et il se réveillera. C'est Reptar, le plus cruel des animaux du monde entier. Il n'y a pas de quoi avoir peur.
peut nous sauver. Au secours! Il n'y a pas de quoi avoir peur. Reptar peut nous sauver. Il y a forcément un moyen de sortir d'ici. Reptar peut nous sauver. Au secours! Au secours! Regarde tous ces jouets! Vise-moi un peu tout ça. Forcément un moyen de sortir d'ici. Reptar peut nous sauver. Au secours! Il n'y a pas de quoi avoir peur. Halte, je suis Reptar. Halte, je suis Reptar. Halte, je suis Reptar. Démolis-le, Reptar. Torque, afin, Torque veut manger. Oh, c'est trop atroce, peut pas regarder. On a gagné. Tommy, Charles-Édouard, vous êtes là?
Je vous ai cherché partout. J'ai dû soudoyer un agent de la sécurité pour qu'il me laisse entrer. Un coup de chance, j'avais des beignets. C'est la chambre de maman et papa. Les bébés, ça vous dirait de jouer dans mon cirque? Oui, un cirque. Entre nous, on n'est pas très envie. J'ai jamais aimé les cirques. Vous avez tous entendu, hein? Personne ne pourra jouer dans mon cirque parce que la binocle ne veut pas jouer avec nous. Mais c'est idiot, c'est marrant les cirques. Pourquoi tu veux pas qu'on s'amuse tous ensemble, la binocle? Bon, ben, si vous avez tous envie qu'on y joue, d'accord, on va pour le cirque. Et maintenant, sur la piste numéro 1, le grand casse-bobon chevauchant un lion atrocement féroce va sauter par-dessus plusieurs centaines de cercles de feu. Prochain numéro, je vous demande d'applaudir les célèbres grumeaux volants qui vont rouler à la vitesse de l'éclair sur leur tricycle le long de l'allée jusqu'en haut de ce pont et atterrir exactement au centre du soleil. C'est sympa. Et on recommence. Merci beaucoup, oui, merci. Et maintenant, le célèbre cirque de Couette Couette est fier de vous présenter la binocle, le bébé canon. Et maintenant, le seul, l'unique, la binocle, le bébé canon. Tu viens, oui ou non? J'ai oublié ce que je dois faire. Reste là et attends que je te présente. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez voir le bébé canon qui sera projeté de cette plateforme pour atterrir sans aucun danger sur ce tas de feuilles. Oh, je vais faire quoi? Attention! Il a réussi! C'est fantastique! Mon cirque est un triomphe! Moi aussi, je veux être un bébé canon! Non, Alphonse! Moi d'abord! Non, moi!
Sophie. C'est moi non, qui l'ai fait qui d'abord. Le faire. D'abord, non, c'est pas c'est un truc pas de toi. Fille. Ah, oh. Non. Oh, faut que j'arrête de travailler avec des bébés. Vous êtes sûr que je peux vous laisser les enfants? Mais oui, va faire tes courses avec tes copines, ne t'inquiète pas. Bon, d'accord. Je rentrerai en fin d'après-midi. Oui! Oui! Je compte sur vous, les enfants, pour jouer en silence pendant que nous, on regarde le football américain. Et j'ai préparé quelque chose de spécial. Les biberons, c'est pour les bébés. Du lait au chocolat. Du lait au chocolat, mais c'est pour les adultes comme moi. Mais donne-moi ça. Lance-le. Hey, c'est pas juste. Lance le biberon. Par ici. Vous êtes pas gentil. Attention biberon. Reviens ici, stupide bébé. Angelica, oh, dans quel état tu t'es mise? Qui est-ce qui était censé la surveiller? Je vais te nettoyer. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au golf. Chérie, j'emmène les enfants manger une glace. Oh, ça va être génial. Dis, tonton, où elles sont les glaces? Eh bien, ma chérie, tout au bout de ce superbe terrain de golf, il y a un vendeur de glaces. Si j'arrive à faire un trou en un, vous allez manger des glaces jusqu'à ce que vous soyez grand. C'est bien entendu très difficile à réussir. Il faut juste qu'on mette les balles dans les trous et on aura toute une montagne de glaces rien que pour nous. Si on s'y met tous, on devrait y arriver. Que ça en a l'air. J'irai jusqu'à la montagne de glace, quitte à ne pas faire ma sieste. Mais qui a bien pu créer un jeu pareil?
Cette montagne de glace a l'air très bonne. Je peux le faire. Cette montagne de glace a l'air très bonne. Je dois changer de stratégie sur les glaces gratuites. Un peu de glace? Vous rêvez? Un peu de glace? Vous rêvez? Revenez nous voir. Au revoir. Vous ne voulez pas une araignée en plastique? Non, c'est ce que je pensais. Je vais manger la montagne de glace rien qu'à moi toute seule.
Vous avez gagné une année de rien du tout. Vous ne pouvez pas manger toute cette glace de toute façon. Mince, ce que je peux être convaincant. Jusqu'à la montagne de glace, quitte à ne pas faire ma sieste. Venez nous voir. Au revoir. Vous ne pouvez pas manger toute cette glace de toute façon. Mince, ce que je peux être convaincant. Allez, je peux y arriver. De glace, vous ne voulez pas une araignée en plastique? Non, c'est ce que je pensais. Allez, je peux y arriver. Un peu de glace? Vous rêvez! Hey, c'est plutôt marrant! Vous avez gagné une année de rien du tout. Hey, c'est plutôt marrant. Un lieu de glace, vous ne voulez pas une araignée en plastique? Non, c'est ce que je pensais. Revenez nous voir. Au revoir. Le
La montagne de glace, me voici. Je dois changer de stratégie sur les glaces gratuites. Qui a bien pu créer un jeu pareil? Vous avez gagné une année de... rien du tout! Maintenant, nous allons chercher toutes les glaces que vous voulez, parce que c'est gratuit. Regarde la binocle, j'ai trouvé un capitaine pour notre bateau. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Couette-Couette va pas aimer qu'on ait pris sa poupée. Oh, on va juste lui emprunter 5 minutes, allez, viens. Oh là là. Cynthia? Cynthia? Oh, mais qui a pris ma poupée? C'est pas moi qui vais dire à Couette-Couette qu'on a perdu sa poupée, hein. On sait jamais, elle va peut-être rien remarquer. Bon alors, lequel de vous deux nabots a pris ma poupée? Tous les deux, c'est notre faute. Pardon, on est désolé, Couette-Couette. Mais on avait besoin d'un capitaine pour notre bateau. C'est pour ça qu'on l'a emprunté. Et tout à coup, le courant est devenu très fort. Si vous ne me rapportez pas ma poupée tout de suite, il y a des couches qui vont voler. Alors trouvez ma Cynthia.
Vous avez trouvé toutes les pièces du puzzle. Bravo, les enfants. Et maintenant, il est temps de dormir. Je crois que vous avez tous eu une journée très chargée. Dormez bien. Prépare.
Détruit complètement la ville. Jamais dans toute ma carrière de journaliste, je n'avais assisté à pareille destruction. Mais évidemment, je ne suis journaliste que depuis hier. Le building THQ a été réduit en poudre. Heureusement, tout le monde était au café du coin. Ce dinosaure n'est pas très amical. Ma Cynthia.